Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu te fait louange pour unité États-Unis avec Israël. Et il te fait louange président Joe Biden dans un discours qui t'est chauffé en pile devant le Congrès jeudi mercredi, qui t'est provoqué un boycottage par plusieurs gros démocrates et qui t'est attiré plusieurs milliers de manifestants devant Capitole pour condamner la guerre dans Gaza avec crise humanitaire que l'État a créé. 9 mois après la guerre dans Gaza, Netanyahu a cherché à renforcer si pour États-Unis pour continuer bataille pays contre Hamas et l'autre groupe armé que pays Iran a appuyé. Because when we stand together, America et Israël doivent camper ensemble. Les nous camper ensemble, nous bagage vraiment sans privé. Nous gagnons et yo perdu. Benjamin Netanyahu te mette sous vesli yon broche à drapeau israélien et américain sous New Bo et sous l'autre bois yon broche jaune qui exprime solidarité ak otage israélien que Hamas kembe. Benjamin Netanyahu te entré dans chambre assemblée américaine jeudi mercredi après-midi et puis te recevoir une ovation dans tout des parti yo. Ak seulement quelques démocrates qui te chita pendant tout l'autre monde t'a bat bravo pour lui. Youn nan démocrate sa yo, c'était député Rachida Talaib. C'est seul palestinien américain dans congrès. Républicain ont applaudi Netanyahu avec enthousiasme pendant que parti démocrate là nan chambre nan te moins enthousiaste yo même. Pi fo nan démocrate yo te campé ak bat bravo mais yo te moins vle bail premier ministre Israël là yon salutation enthousiaste. 6 moun qui te nan galerie qui bail sous espace chambre côté diswa t'a déroulé a te mette sou yo maillot qui dit gérer contrat à Kounia. Une façon pour demander Netanyahu pour joindre un contrat pour retourner otage. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York.